rendez-vous des arts et du souvenir à l'occasion de ce 50e anniversaire de l'UAICF. En effet, c'est dans le pavillon Baltard, érigé sur l'emplacement du dépôt de nos gens disparus en 1975, que furent célébrées les noces d'or de l'UAICF avec les arts, les sciences et la culture. Pour le temps d'un week-end, le patrimoine culturel et artistique des cheminots a rejoint le souvenir du patrimoine ferroviaire. 1500 artistes cheminots et 5000 spectateurs ont communié sur le théâtre des festivités du cinquantenaire de l'Union et à travers toutes les expositions présentées, pour que vive l'éducation populaire et que se développe le mouvement associatif dans la corporation. Et le privilège de déclarer ouvertes les festivités du 50e anniversaire de l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français. Le patrimoine culturel des cheminots déjà grand ne demande qu'à s'extérioriser et à se développer. Ces deux journées en apporteront de nombreux témoignages. Je crois que le succès de cette manifestation est dû à l'ensemble de tous les groupes et, je dois dire, à l'ensemble de l'Union artistique intellectuelle des cheminots qui a vraiment bien travaillé, et c'est un cinquantenaire dont on se rappellera. Je ne pensais pas qu'il y avait au sein des amicales de cheminots autant de disciplines artistiques qui se manifestaient, autant de groupes qui pouvaient se former et finalement qui sont capables pendant trois jours d'animer un spectacle quasiment permanent. Thank you.
Thank you.
Des orchestres, hein, pour des orchestres d'amateurs, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Ils n'ont rien à envier aux professionnels. Hein. C'est sûrement quelque chose d'impeccable. Hein. Nous, en tant que musiciens amateurs, on est encore en dessous de cette moyenne. C'est une activité pour tout le monde qui est agréable et qui permet aux gens d'accéder dans le monde musical. Il permet aussi de découvrir ce monde qui est caché. Je passe une très bonne soirée. Et je ne suis pas le seul. Thank you.
Thank you.
Thank you.